Deuxième confinement, un coup dur pour de nombreuses entreprises. Et pour s'en sortir, la clé, c'est souvent l'adaptabilité. C'est le cas dans les Ardennes, où deux industries s'allient pour fabriquer des masques jetables à personnaliser. Un moyen de se diversifier pour garder leur activité. À Hangecourt, reportage de Sébastien Valente et Daniel Samulzik. De nouveaux masques chirurgicaux imprimés, c'est l'idée d'Olivier Véry, ce chef d'entreprise ardennais. Sa société spécialisée dans la fabrication de couettes, de rideaux et d'oreillers à destination des hôtels et des maisons de retraite aurait pu vivre des jours compliqués en raison de la crise sanitaire. Mais avec la fabrication de masques en tissu, de masques jetables puis ces masques personnalisés, le gérant a su prendre le bon virage. On s'est porté la réflexion techniquement. Après, on a passé à la phase échantillon et aujourd'hui, on est en phase donc de production puisque là, on a à peu près 100 000 masques à produire pour des clients différents. Donc, on va faire l'impression, la transformation pour arriver à faire un masque jetable imprimé. De nouvelles machines pour un investissement important de 400 000 euros, mais une activité innovante et inédite qui séduit. Plus de 100 000 masques ont déjà été commandés en quelques jours par des entreprises qui veulent communiquer, développer et véhiculer une marque. 10 000 masques ont par exemple été commandés par cet assureur sudanais. Ça permet pour moi, je pense, de communiquer et puis de changer aussi des éventuelles choses qu'on peut donner à nos assurés ou à nos clients. C'est pour moi un pur outil de communication. Pour assurer la production, l'entreprise TSC a noué un partenariat avec la société Sopecre Pro, spécialisée dans l'impression et la découpe numérique. Objectif, pouvoir fabriquer plus de 80 000 masques imprimés par jour. TSC était sur une petite machine d'impression. Je pense que dès qu'on aura mis en route la commercialisation du produit, on va arriver sur des quantités, je dirais, industrielles. Donc il fallait absolument trouver des nouvelles solutions pour imprimer ces masques. Des masques imprimés made in France, à peine plus cher que des masques jetables classiques. Depuis la mi-mars, l'entreprise TSC a déjà fabriqué 6 millions de masques jetables et ses nouveaux masques personnalisés devraient booster les commandes. La société qui crée aussi 2000 blouses jetables par jour à destination du personnel médical.